tera, 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 go get the mula. Wake up, oh, ah, on it. And also you also have medical technicians that are in the associations that come together to see how to impact back a country, because we have studied here, we have to transfer what we have studied here back home. We came here to study and go back home. But since we are here, so we come together every year, and even depending on how need be to talk about what project is best for us to carry on in Cameroon, because we have so many projects that we see carry on back in the background to help back our people, impact our people back home. Okay. Also, heute ist der, man sagt, heute ist der 20. Mai. 20. Mai ist der Tag unserer Einheit in Kamerun. Und dieses Programm, das heißt, mit den Experten zu treffen, es hat 2019 angefangen, da ging es darum, irgendwas auch zurück an unsere auch Menschen, die hier auch im Lande leben und wohnen, was zurückzugeben und denen zu zeigen, wir sind ja da für euch. Weil es ist uns mal öfter aufgefallen, wenn unsere Leute auch beim Arzt waren, erstmal war so diese Sprachbarriere, die haben nicht alles verstanden, was der Arzt denen so erzählt hat oder welche Krankheit die haben. Und Beispiel, wenn du nicht mal weißt, was für eine Krankheit du hast, du wirst auch nie auch die Tabletten oder sowas, auch selbst wenn man dir auch gesagt hat, was du auch dann machen kannst, wirst du nicht machen, weil du weißt ja nicht, was du überhaupt hast. Und es geht darum, dass wir erstmal diese Leuten die Möglichkeit haben, mit uns zu sprechen. Und zweitens, es gibt auch viele auch Vorsorge, die auch von denen auch vernachlässigt werden, die kommen zu spät, wo man denen gar nicht mehr helfen wollen. Und da haben wir gesagt, nein, wir wollen diese Leute nicht so spät sehen. Wir wollen die auch am Anfang ihre Erkrankung sehen, weil nur so kann man die Komplikationen dann auch minimieren oder auch vermeiden oder mindern, wenn wir auch zeitig mit denen dann auch mit denen mal sprechen, um denen zu sagen, was für die wichtig ist, sei es auch ihr Lebensstil, sei es auch, wenn man weiß, dass man auch diese Krankheit hat, wie kann man damit umgehen, wie lebt man damit, ja, und nicht dann erst warten, wenn dann die Komplikationen aufgetreten sind, ist ja schon so, dass man versucht dann einfach nur das Leben zu halten, und so wollen wir auch nicht. Und das Dritte ist auch die Therapieadhärenz dann, weil man hat öfter auch mal Leute getroffen, die haben dann auch mit Tabletten angefangen und die sagen, weil unsere Mentalität ist ja so, man möchte nicht lebenslänglich auch mit Tabletten leben. Und wenn die damit angefangen haben, die brechen einfach einmal ab, weil die sagen, mir geht's gut. Aber also um diese Therapieadhärenz zu steigern, ja, müssen wir den Leuten sagen, wie wichtig das ist, dann wirklich, wenn man an irgendwas erkrankt ist, wirklich dann die Behandlung fortzuführen. Bon, je m'appelle Raoul Ben, je suis urologue. J'exerce dans la ville d'Aschaffenburg en Allemagne, en Bavière.
Et je suis en train de faire l'échographie du rein. L'échographie du rein, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Alors, docteur, vous avez eu à consulter plusieurs dizaines d'Africains qui sont venus aujourd'hui à la journée porte ouverte organisée par la Camfomédic à l'occasion de la fête de l'unité nationale. Alors, quels sont les différents problèmes que rencontrent nos compatriotes? Le principal problème de nos compatriotes, c'est que très peu de compatriotes vont faire le check-up. Et j'ai axé mon action ce jour sur la sensibilisation des différents compatriotes d'aller consulter, que les compatriotes ne doivent pas attendre d'avoir les douleurs pour aller voir un médecin. Ils devraient prendre le temps d'aller faire le check-up afin de dépister les maladies dans un stade précoce. Et lorsqu'on dépiste une maladie dans un stade précoce, on a plusieurs possibilités de traitement et une bonne guérison. Donc, mon appel à tous ceux que j'ai rencontrés ce matin, je leur ai demandé de prendre vraiment le temps de consulter, de ne pas toujours attendre les douleurs pour aller voir le médecin, parce que parfois, il se fait trop tard quand on attend les symptômes. Il y a certaines maladies qui se manifestent ou bien qui ont présenté des symptômes qu'à un stade très très avancé. Et le plus souvent, les possibilités de traitement et de guérison sont très, très réduites. Est-ce qu'aujourd'hui, pour sortir de là, vous avez eu à rencontrer un cas assez critique? Oui, j'ai rencontré aujourd'hui un cas assez critique, un jeune homme qui n'avait aucune douleur. Mais en l'examinant, j'ai trouvé beaucoup de plusieurs pathologies, rénales, de testicules et tout ça. Bon, ce qui fait que je l'ai référé à un confrère sur place qui doit continuer les investigations. Et voilà un jeune homme qui n'avait aucune douleur, mais en l'examinant, on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc, si vraiment ce jeune homme, bon, je ne sais pas s'il était déjà allé chez un neurologue, mais s'il était allé chez un neurologue juste pour une consultation sans avoir de douleur, on aurait sûrement trouvé ce mal un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Bon, j'espère que malgré tout, qu'on pourra bien l'aider. Merci beaucoup, Billy. Je suis le docteur Judith Kouematchouan. Je suis gynécologue. Je fais la gynécologie, donc je suis gynécologue. Je pratique dans la ville d'Hambourg et membre de longue date de Camfomédic. Et à ce propos, je participe pour la seconde fois à un événement pareil qui a l'intention de servir d'informer et examiner notre population qui parfois a des difficultés de communication en allemand, donc on parle en anglais, en français, en allemand pour qui veut, et apporter des informations où on n'aurait pas nécessairement le temps dans le travail, dans le quotidien du cabinet de les amener. Ces informations-là. Et donc, c'est ce que je fais ici. Et c'est pour la raison que je suis un peu déconcentrée, désolée. Mais c'est pour ça que ça me tient à cœur, en fait, ce facteur information au-delà de la rencontre qu'on a entre médecins et patients qui est parfois assez rapide. Donc, dans mon domaine qui est la gynécologie, il y a beaucoup, 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 beaucoup de thèmes sur lesquels on peut parler pendant très longtemps. Alors, jusqu'à présent, on a vu plusieurs femmes qui vous ont approché. Quels sont les différents problèmes que les femmes rencontrent? Ils sont divers. Ils sont divers. J'essaye un peu de noter tout ce que j'ai comme cas pour aussi avoir un peu des statistiques. Et ça va, on va dire, dans tous les sens. Et ce qui est important en gynécologie, c'est que nous, les gynécologues, nous nous considérons aussi un peu comme les généralistes de la femme. Parce que on est très souvent les médecins qui, surtout chez la jeune femme qui est en bonne santé, qui n'a pas de soucis, on est les seuls médecins que la jeune femme voit. Donc ça va au-delà seulement des organes gynécologiques. Et j'ai eu par exemple une longue conversation avec une femme qui avait en fait des problèmes d'hypertension. Elle avait des problèmes d'hypertension. Elle est venue m'a présenté des symptômes gynécologiques, mais en posant deux ou trois questions, je me suis rendu compte en fait son problème de base c'est l'hypertension. Et à la fin, on a passé 10 à 20 minutes à parler de comment gérer l'hypertension,
comment s'alimenter, qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice physique. Donc, c'est pour dire que je ne vais pas dire là spécifiquement que... En fait, c'est tout genre de problème, tout genre de problème. Ich heiße Dr. Bashir, ich bin Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und bin ich hier, um mit den Kollegen auszuhelfen beim Patienten und ich wohne in Stadt Werne, Kreis Unna und ja, und wie gesagt, ich war auch vor ein paar Jahren schon mal hier, habe ich auch mitgeholfen und bin ich jetzt nochmal hier und diese gute, sage ich mal, von meinen Kollegen Sache zu unterstützen. Doktor, Sie haben schon einige Leute heute untersucht oder beraten. Was sind die Probleme, die häufig auftauchen? Also die häufigsten Probleme, die ich jetzt heute, sage ich mal, gesehen habe, meistens sind arterielle Hypertonie, also Leute mit hohem Blutdruck. Und wir hatten auch gerade einen Patienten, der fast Blutdruck über 200 hätte, was bisher nicht bekannt ist. Mussten wir ihm eigentlich auch hier notfallmäßig mit Notfallversorgung helfen und ihm direkt auf Medikament, sage ich mal, einstellen. Und auch ihm empfohlen, weitere Kontrollen durch seine Hausärzte und selber sich auch, sage ich mal, das ernst zu nehmen. Wenn man bitte, meine letzte Frage, wenn man einen hohen Blutdruck hat, was kann man dagegen machen oder was kann man unternehmen? Also man soll sich, sage ich mal, das Schlimmste daran, wie gesagt, bei dieser Patient, der hatte gar keine Beschwerden gehabt. Na, das ist, was, sage ich mal, viele Ärzte oder wissen und Angst davon haben, weil es kann zu einer akute Schlaganfall kommen, akute Herzinfarkt, akute Aortenaneurysma, was kann lebensbedrohlich sein. Was wir empfehlen, ist, dass Patienten sich regelmäßig zu dieser regelmäßigen hausärztlichen Kontrolle gehen, damit er frühzeitig erkannt wird und frühzeitig behandelt wird. Das ist wichtig. Und auch wenn er ein Medikament eingestellt, damit er muss regelmäßig seine Medikamente einnehmen und regelmäßigen Kontrollen machen. Dankeschön. Mein Name ist Jörg Leik, ich komme aus Essen und bin hier in Essen auch als niedergelassener Chirurg tätig. Seit jetzt ja, gut 23 Jahren. Okay, und heute auf diese offene Tür von der Kampfmedik, was ist Ihre Hauptaufgaben oder Ihre Abteilung, was Sie genau machen? Frau Endofor, eine Kollegin von mir, eine Hausärztin, hat mich eingeladen, heute hier an dieser einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltung teilzunehmen. Und ich habe mir die verschiedensten chirurgischen Probleme, die jetzt hier auftauchen, angesehen, die Leute beraten, ihnen halt gesagt, was als nächstes zu tun ist. Versucht, eine Diagnose zu bekommen, sofern das möglich ist hier mit diesen Bedingungen. Und dann ist den Leuten häufig schon ein Stück weit geholfen. Und für Sie das erste Mal hier zu sein, wie zufrieden sind Sie? Sehr, ist alles sehr gut organisiert, sehr viele Fachkollegen hier. Für jedes Problem gibt es hier quasi einen Ansprechpartner. Man kann sich unter den Kollegen austauschen. Sehr gut organisiert. Das ist, glaube ich, das dritte Mal jetzt. Ich bin zum ersten Mal hier. Frau Endofor hat das, glaube ich, in der Hand und sehr gut organisiert. Das ist immer wichtig. Dankeschön. Sehr gerne. Okay. Moi, c'est. Tu restes là? Rentre un peu. Oui. Rentre un peu. Voilà. Tu parles juste à la caméra. Ok. C'est bon. Je suis docteur Chien, je suis cardiologue. Je ne peux pas en anglais si tu veux. Ça va aller, quand ça va un peu, ça va coincer, je vais changer. On reprend. Non, ça va, tu peux parler, c'est bon. Ok. So, like I was saying, I'm Dr. Chia. I am internist and subspecialty cardiology. I live in Leverkusen. I've been part of Comfomedics for, I would say, the past 10 years or so. But this is the first time I got to be part of Meet the Experts. Basically, we got people from our own community who come to us. And they'll just want to find out if they are in good health or if they have some medical issues. They want to have some more information. So this is a wonderful platform. My first time being here, I very much enjoyed it because I got to, I would say, explain in very basic terms and in a language they could understand
what the medical condition they were suffering from was all about. So as a medical doctor, as a physician, that gives some satisfaction too. Et dans les cas que vous avez eu à consulter aujourd'hui, quels sont les problèmes majeurs que les personnes que vous avez eu à consulter rencontrent? It's quite interesting. High blood pressure, l'hypertension, that was one of the biggest problems. So many patients came in here feeling well and having no symptoms or any problems of any nature. And we realized after they had their blood pressure measured that some of them had blood pressure as high as 200 to 110 millimeter. So Hg, mercury, so it's a lot, it's quite high and dangerous too, I would say. I think that's what, if I had to give an advice to anyone listening, that we should from time to time have a rough idea of exactly how high our blood pressure is. It doesn't cost much. The blood pressure machine, you can get it anywhere for 20, 25 euros. But just knowing how high your blood pressure is could be life-saving. Because if someone goes around with a blood pressure of 215 to 120 and they have no idea of it and they keep that for a long period of time, it could lead to a heart attack, it could lead to a stroke, it could lead to kidney failure, a lot of diseases. So please make sure you have a rough idea where your blood pressure is so that you're not surprised, because that's the most surprising part I had to see today. People coming in with very high blood pressure and they had no idea that they were suffering from hypertension. Thank you very much. You're welcome. Ich bin der Sankara Nelson Noah II. Ich studiere eigentlich in Tübingen. Ich bin Medizinstudent in der siebten Semester. Und also ich bin auch Vorstandmitglied beim Kampf um Medik. Und heute habe ich auch von der Fachschaft Medizin von Tübingen ein paar Unterlagen bekommen, um ein bisschen Aufklärung zur Organspende zu machen, ein bisschen das Thema zu destigmatisieren, die Leute ein bisschen näher über das Thema ranbringen, was ist Organspende, warum ist es gut, wie ist das die Lage jetzt gerade, wenn ich Ja oder Nein sagen will. Und noch dazu, hier, ich mag Kampfmedics, immer hier zu sein, die Ärzte zu unterstützen, mit kamonischen Medizinstudenten und auch Ärzte zu vernetzen. Ich glaube, das ist immer eine gute Art, Networking zu machen und auch irgendwie einen Beitrag zu leisten. C'est Estelle Young, je suis interniste et dans le domaine de la gastroenterologie. Je viens de Mannheim, c'est une ville un peu au sud de l'Allemagne. Donc nous sommes aujourd'hui à Essen dans le cadre de notre convention, disons pratiquement annuelle, le Meet the Experts, où nous appelons le public africain, camerounais à venir se faire consulter par des médecins spécialistes dans différentes directions, différentes spécialités. Et oui, c'est gratuit. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu. Il y a eu des parents qui sont venus du Cameroun, de d'autres pays, et nous sommes vraiment contents. Donc aujourd'hui, on a pris des paramètres des personnes qui sont venues. On a pris leur tension artérielle, on a pris leur taux de glycémie, par exemple. Et oui, et déjà, il y a eu un patient qu'on a pu diagnostiquer d'un diabète, on peut dire, sévère aujourd'hui. Donc déjà, à cause de ça, on va dire que c'est une journée qui en valait de la peine. Qui en valait de la peine, ouais. Mein Name ist Kabir Ibrahim. Ich komme aus der Stadt Mörs. Ich bin Anästhesist von Beruf. Und heute ist eine ärztliche Veranstaltung, wo die Patienten auch untersucht werden können. Deswegen bin ich hier gekommen. Und hier gibt es viele auch ärztliche Kollegen. Deswegen möchte ich meine Firma präsentieren, die Ärzte und Pflege im Krankenhäuser vermittelt. Wir unterstützen auch die Krankenhäuser, passende Mitarbeiter zu finden. Das sind nur für Leute, die in Deutschland wohnen, oder auch ausländische Ärzte, die gerne in Deutschland arbeiten wollen? Wir arbeiten auch sehr gerne mit ausländischen Ärzten und Pflegekräften, die in Deutschland arbeiten möchten. Bitte, was sind die Voraussetzungen, wenn man im Ausland ist und möchte gerne als Pfleger oder Arzt in Deutschland arbeiten? Ja, sie haben große Möglichkeit, auch in Deutschland zu arbeiten. Nur müssen sie halt in Deutschland mit Deutschsprachkurs
fangen. Wenn die da bis B1-Zertifikat gemacht haben, dann haben die sehr gute große Chance, in Deutschland zu arbeiten. Yes, good morning and thank you for this interview. My name is Rebecca Bucher. I am a radiation oncologist working and living in Germany. My aim of coming here today at this Campomedics Meet the Expert meeting is to inform the population about this disease called cancer, which of course is rising worldwide and not only in Europe or in the Western world, but also very rampant in Africa and uprising. Alors, docteur, aujourd'hui, vous avez consulté plusieurs personnes. Quand vous avez discuté avec les différents visiteurs, quels sont les différents problèmes que rencontrent nos compatriotes? Yes, the majority of the people I had in my booth, much of the questions they had was, what can I do to prevent cancer? And if I attain cancer, what can I do in order to have the best treatment possible? So my point was to tell them how, what kind of lifestyle they can have in order to prevent attaining cancer. For example, we know of some toxic lifestyles that are very, very prominent for cancer sicknesses. For example, we talk about smoking habits. We talk about the nutrition. We talk about the stressful situations we have. Those kind of things, you can avoid them in order to have a longer lifespan without getting sick of cancer. My own place as a radiation oncologist, we use ultra-high X-rays in order to treat cancer patients. This kind of treatment is, of course, widespread in Europe and the US, in the Western world. But in our situations, like in Africa, there is a whole lack of this treatment modality. And one of my aims of also being here is to inform the diaspora that while they are having this good treatment here, their relatives, friends back home in their home countries are suffering from cancer and not having the appropriate treatment necessary. Hallo, mein Name ist Vanessa Tansi. Ich arbeite in Hamburg am UKE und bin frische Assistenzärztin und bin heute hier mit der DKMS. Wir machen eine Registrierungsaktion. Die DKMS steht für die Deutsche Knochenmarkspende und es geht darum, Menschen, die Blutkrebs haben, die Leukämie haben, die Möglichkeit zu geben, zu überleben durch eine Stammzellspende. Deshalb suchen wir ganz fleißig nach neuen Spendern für die DKMS und spezifisch auch für einen Fall, der ja, ganz aktuell ist, der Tayo, der ist 3 Jahre alt und sucht immer noch nach einem Spender. Und genau, deshalb sind wir hier. This department is to show the topic of resuscitation. That means, for example, if you're at home and somebody falls, then it's very important that emergency is being called. The number you have to call in Germany and surely all over the world is 112. When you've done that, then you check whether the patient is conscious or not. And even if you're not sure if the person is conscious or if you're getting breathing or not breathing, it's always good to start with resuscitation. Resuscitation means you do 30 chest compressions and 2 breaths into the windpipe. So you have to press the chest 30 times and twice you breathe into the windpipe. If you're doing that through the mouth, you have to cover the nose. And if you're doing that through the nose, you have to cover the mouth. So you do that till emergency arrives or maybe the person is breathing again. And if you see that the person is breathing again, you have to put the person in a stable position. That's a sideways position so that if there's any, you know, vomiting or anything, it doesn't go all into the windpipe. Okay. And the most important, I always say, is everybody at home should know how to do
resuscitation. It doesn't matter if they are little kids, you show them how to do such things, because maybe you are the one who will collapse one day and maybe it's your child who is going to save you. So what we have shown today, it doesn't matter if you're a baby, if you're a grandma, if a baby also collapses, it's the same thing that happens. And before you start the chest compressions, it's always good to see that there's nothing stuck in the mouth. So you try to free the mouth before you start with that. Je suis, je m'appelle Stephen Fung, je suis chirurgien, allgemein chirurg, allgemein viscéral und thoraxchirurg, ça veut dire que chirurgie générale, la chirurgie thoracique. Et actuellement, je conseille deux patients qui ont letztendlich des problèmes orthopédiques. Et c'est vrai que je ne suis pas orthopède, mais je suis chirurgien généraliste. Et c'est en fait ce. Une patiente que je viens de voir et je viens de voir son problème de genoux qu'elle a et la Saphir qui est aussi là a un autre problème. Ton mari a un problème au Cameroun, au Congo et je en fait on a fait le conseil et ça va. Ouais. De manière téléphonique ou le conseil, comment ça s'est passé avec le patient qui est en Afrique? Bon, on a fait ça en fait, elle m'a montré les photos. Les photos de problèmes de santé qu'il a et c'est un truc, je viens de la conseiller, ce qu'il faut faire quand il arrive ici en Allemagne et dès qu'il est là, ils vont passer me voir dans ma clinique et on va voir ce qu'on va faire pour elle. Ja, ich bin Dr. Sadrak Umbe Thiam, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Mitbegründer von Camphomedics Datteln, das heißt, ich bin niedergelassener Hausarzt und Privatkardiologe in der Stadt Datteln. Und hier haben wir uns am 20. Mai 2023 versammelt, um im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung von Camphomedics Leute aus der Gesellschaft, insbesondere Kameruner, Afrikaner, die sich für Gesundheit interessieren, zur Fragen und Antworten zu stehen und nutzen auch die Gelegenheit, um solche Untersuchungen zu machen, wie hier zum Beispiel ein Ultraschall vom Herzen, was beim niedergelassenen Kardiologen nicht immer einfach ist, insbesondere einen Termin zu bekommen, rechtzeitig, wenn die Leute Probleme haben. Hier haben wir zum Beispiel einen jungen Mann, der bald an Knie operiert werden soll. Und hier haben wir erstmalig festgestellt, einen Bluthochdruck, der unbedingt behandelt werden muss. Und ergänzend habe ich hier eine Herzultraschalluntersuchung gemacht, um zu gucken, ob das Herz schon Schaden davon genommen hat. Und daher ist die gesundheitliche Aufklärung wichtig, um rechtzeitig Erkrankungen zu erkennen und folgenarm zu behandeln. Alors, docteur, merci pour le travail que vous effectuez, que vous abattez aussi aujourd'hui. Alors, vous avez déjà consulté une cinquantaine de personnes depuis le matin. Quels sont les cas les plus critiques que vous avez eu à rencontrer? Les cas les plus critiques que nous rencontrons ici, c'est effectivement, apparemment, l'hypertension artérielle qui reste inconnue chez la plupart des jeunes personnes entre 30 et 60 ans. C'est pour ça que je ne peux que vraiment appeler les gens à consulter régulièrement les médecins, se faire consulter pour surtout regarder, contrôler la tension artérielle parce que c'est une maladie qui est lourde mais qui malheureusement ne fait de symptômes que dans des stades assez avancés. La thérapie la plus effective, comme je dis toujours, c'est la prévention. Ça veut dire que si nous évitons l'excès de poids, si nous faisons suffisamment de sport ou bien d'exercices sportifs au quotidien, si nous faisons attention à notre alimentation, ça veut dire consommer moins de sel, consommer moins de produits animaux et surtout suivre les conseils des médecins, on fait déjà beaucoup de choses sans la thérapie médicamenteuse. Parce que quand les médicaments arrivent, c'est l'étape prochaine. Ça veut dire qu'avec les médicaments, on doit suivre le traitement régulièrement et surtout prendre les médicaments régulièrement. On a eu aussi des cas aujourd'hui, des gens qui ont l'hypertension artérielle, mais qui ne prennent pas régulièrement leurs médicaments. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Mon nom, c'est Dr Camnier. Je travaille en tant que médecin de famille. Je viens de la ville de Dortmund. Donc, à ce stade, nous, on consulte les patients avec des pathologies de médecine interne. Donc,
aussi ce qu'on fait chez le médecin de famille, quoi. Donc, on conseille sur la médecine préventive et on essaie de voir quels sont quels problèmes de santé les patients viennent à nous et on essaie de les conseiller par rapport à cela, quoi. Donc, voilà un peu ce que nous on fait dans ce stand. Bon, ici, à ce stand, on a rencontré beaucoup de patients avec l'hypertension. L'hypertension est quelque chose qui est très répandu chez nous, dans la population africaine. Ce que nous constatons aussi, c'est que les patients ne comprennent pas toujours les recommandations des médecins. Pour les patients, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'ils ont l'hypertension et qu'on les prescrit des médicaments, une fois que la tension est normalisée, ils se disent qu'ils peuvent arrêter le traitement, quoi. Donc, sur ce stand, on ne cesse de répéter aux patients que même si la tension est normale, il faut continuer à prendre le médicament parce que c'est en fait parce qu'on prend le médicament que la tension se régularise. Donc, il ne faut pas... Okay. My name is Bridget Funko. I'm a scientist. I am a researcher and a lecturer at the University of Freiburg. I also work with the Ringlockshop, which is an intercultural exchange theater. And there I'm the coordinator of the Silent University project. The reason why I'm here, I live in Mülheim. The reason why I came here today was, I have two reasons. First of all, I needed to see an ophthalmologist because I have eye problem. And secondly, I needed to talk with some of the doctors about the social and intercultural health system in Germany. Okay. And at the end of this event, or when you go back to the, are you satisfied? So far, I'm very satisfied because I always believe that medicine, especially, is not a profession; it's a calling. So doctors who can afford to spend time and listen to patients without money means that they are respecting the fact that they are working with feeling. So I'll go away very satisfied. And I call on it to be as often as possible, this kind of project and activity. Merci, merci bien. Bonjour, moi c'est Madame Elisabeth Yebois. Je suis honorable conseillère d'État de la ville de Ratingen depuis 2009. Et aussi, je suis madame la députée de Kreis Mettmann avec 10 différentes villes à NRV, dans Nord-Rhin-Westphalie. Aujourd'hui, c'est le 20 mai, c'est une journée nationale au Cameroun. Et la Canfomédic aussi a choisi ce jour juste pour commémorer la journée nationale au Cameroun et deux, pour essayer de se réunir et essayer de donner la santé aux Africains qui sont à la diaspora, à Essen particulièrement. Je suis vraiment très très contente et très ravie d'avoir travaillé avec eux, essayer de voir comment on peut les soutenir et pour leur donner aussi, leur faciliter la tâche de prendre soin de nos compatriotes parce que l'hôpital, ce n'est pas toujours évident. Il y a la barrière de langue, il y a un peu de culture qui est différente, beaucoup de choses. Je suis très, très contente et très ravie d'être là aujourd'hui. Merci. Ok, my name is Mrs. Otto, Mrs. China Azegbere Otto. I'm from Nigeria origin, but I live in Essen here. So my reason of coming here today is to meet experts, specialists, doctors, yeah? And I hope that they will help me also for setting up my problems and problem of others. I can say that today is a very good day for me and for others, many others that are here. That this opportunity help us as Africans to express ourselves so better, the way we feel on our problems. That we say that I like it so much and I would like something to continue every year. If I may suggest, every year I would like it to continue. That is my own small suggestions and thanks to the organizers. Thank you for the question. I'm Dr. Florence Iyokta. I'm a pharmacist. I work at Hôpital Général de Douala.
actually came here for a conference, and my sister told me about this, and I said, well, it would be a great idea to see what the medical bodies do here in Germany, and it's really a pleasure to be here. Et en tant que femme du métier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Actually, everything here is really like wow. But I got to recognize the as a pharmacist. I'm at the hospital. I'm the one who orders all the consumables that they use. So I got to recognize the materials that they use in the reanimation unit. So I was actually showing my nieces like, okay, this is bamboo, this is this. I was actually telling them all the materials that they use actually. Very interesting for them. My name is Julius Ndifo. I live in Essen. The reason why I came here is because of to check my health issues, to see if I'm actually in good health. That's the reason why I came here. Because the African doctors, they are the ones that I know, they understand our situation, and I can express myself very well to them. That's why I came, so that they can understand me and give me some advice on my health issues. And are you satisfied for the first thing you have to do? Yeah, I'm very satisfied. I'm very, very satisfied because the way they handled me, they showed me some love and care and tried to give me some very good advice on how to go about my health. My name is Colette Kote. I live in Düsseldorf. That's also about 30 kilometers from Essen. I came here today to support the Camphomedics family and, to see what is going on here, to, take part in the sensitization and everything. That's why I'm here. Be with my round.